Bienvenue dans ce 9e volume de notre série musicclassroom.com consacrée ici à l'improvisation. Bien que cela commence à changer, les musiques improvisées n'ont pas eu la place qu'elles méritaient au sein notamment des institutions d'enseignement officielles telles que les conservatoires par exemple. Mais il faut se rappeler que dès le XVIIe siècle, l'improvisation était une pratique courante, notamment chez les grands organistes baroques tels que Buxtehude ou Jean-Sébastien Bach par exemple. Un siècle plus tard, au XVIIIe, c'est-à-dire au sein donc de la période classique, on trouve notamment dans les concertos pour solistes et orchestres des plages réservées à l'improvisation, où le soliste donc improvise ce que l'on appelait une cadence ou grande cadence. Mais il faut attendre le début du XXe siècle et la naissance du jazz notamment pour que l'improvisation prenne toute son ampleur et toute sa signification. Tout musicien devrait pratiquer cette technique de l'improvisation pour développer notamment ses qualités d'invention et de créativité. L'improvisation est une composition spontanée, une création de l'instant, mais un instant unique. Mais l'accord n'est pas si conformiste qu'on le dit. Il adopte parfois des attitudes surprenantes et même renversantes. Tout accord, quelle que soit sa nature, peut être renversé. Renverser un accord, c'est passer la note la plus grave à l'octave au-dessus. Un accord de septième à la base possède un état fondamental, c'est-à-dire où l'accord est sous forme de tierces successives, et trois renversements. Ici, l'accord de septième majeur à l'état fondamental. Premier renversement. Deuxième renversement. Et troisième renversement. L'accord de septième mineur à l'état fondamental. Premier renversement. Deuxième renversement. Et troisième renversement. L'accord de septième de dominante à l'état fondamental. Premier renversement. Deuxième renversement. Et troisième renversement. L'accord de septième demi-diminué à l'état fondamental. Premier renversement. Deuxième renversement. Et troisième renversement. Enfin, l'accord de septième diminué à l'état fondamental. Premier renversement. Second renversement. Et troisième et dernier renversement. Quelles que soient les multiples positions qu'il peut prendre, l'accord reste toujours reconnaissable. Les notes d'un accord peuvent se superposer suivant trois positions.
Elles peuvent être superposées en tierces, donc tierces successives, en quartes, quartes successives, ou en clusters ou agrégats, c'est-à-dire en secondes successives resserrées. Ainsi, pour l'accord de septième majeur, en tierce, ou avec la neuvième, trois possibilités en quarte, sur la tierce, le mi, sur la septième, le si, et sur la sixte, le la. Enfin le cluster, sur la septième, le si. L'accord de septième mineur en tierce, ou avec sa neuvième, le ré, en quarte, trois possibilités, sur la fondamentale, le do, sur la quarte, le fa, ou sur la tierce, donc mineure, le mi bémol. Enfin, pour les clusters, deux possibilités pour les accords mineurs, sur la septième, le si bémol, ou sur la neuvième, le ré. La position en tierce des accords de dominante, ou ici avec la neuvième majeure, en ce qui concerne les quartes, nous avons deux possibilités. Quarte sur la tierce ou sur la septième. Le cluster, comme les deux précédents, également sur la septième, c'est-à-dire sur le si bémol. Position en tierce de l'accord de septième demi-diminué. Ou avec la neuvième, le ré ici. Une seule possibilité pour la position en quarte, sur le sol bémol, c'est-à-dire la quinte diminuée par rapport à do. Le cluster, lui, s'effectuera sur la quarte juste, le fa. Enfin, pour l'accord de septième diminué, en tierce, avec la neuvième, le ré, une seule possibilité également pour les quartes sur la tierce de l'accord, et encore sur la tierce, le mi bémol pour le cluster. Si ce cours vous intéresse, alors poursuivez-le et commandez dès à présent l'ouvrage complet et son DVD sur la page boutique de notre site internet www.musicclassroom.com, chez vous sous 48 heures en port gratuit.